L'administration Biden a renouvelé le programme Statut de protection temporaire jusqu'au 9 mars 2025 pour immigrants qui sont dans le pays Sahel, nous passons là, Salvador, Honduras, Népal, Nicaragua, avec Soudan. Haïti, pourquoi là-dedans? Décision ça prend quelques jours après l'administration a été prise en mesure pour légaliser le statut citoyen qui vivent dans le pays depuis 10 ans pour Pipiti et qui marié avec un Américain, Jean-Jean Tissot, parler nous là. Sous question ça, avocat immigration Eddie Laguerre, qui était parlé avec journaliste Luxon Saint-Ville, eh bien, la porte plus précision sous dernière décision ça, l'administration a été prise, ça va bien longtemps. Trois critères pour un monde qualifié pour le programme qui fait venir. C'est un, lorsque tu es rentré dans le pays, ou pas de gagner un an fort, ou pas de gagner aucun saut dans le passeport, ou pas de gagner aucun statut légal lorsque tu es rentré dans le pays. Deux, ou gagner 10 ans de pouvoir vivre dans le pays, et 10 ans ça, ou déjà gagner dans la date 17 juin 2024, si tu as gardé ou déjà gagné, et pas après ça, venir. Et puis deux, ou déjà marié avec un citoyen américain dans la date 17 juin 2024 ou bien avant ça. OK? Donc, nous comprenons que les gens qui rentrent sous frontière avec CBP1 qui ont un an et fort, la décision ne pas concerné. Les gens qui rentrent dans le programme Biden qui ont un an et fort, qui rentrent légalement dans le pays, la décision ne pas concerné. Les gens qui sont venus dans le pays il y a des années de cela, mais ils ont un visa touriste, ils sont venus avec, ils ont été avec dans le pays, la décision ne pas concerné. Les gens qui ne pas mariés avec un citoyen américain, décision ça pas concerné. Et enfin, les gens qui ont moins que 10 ans de pouvoir vivre aux États-Unis, décision ça pas concerné. Décision ça concerne un groupe restreint de monde qui était obligé de retourner dans le pays côté au sorti pour attendre résidence là malgré yo marié avec un citoyen américain. Donc qu'on y a là qui c'est après le fait pour monde ça. Moun sa capable d'appliquer pour une parole sous place, si m'ta mettre en créole, pour me dire que moun sa fait parole sans le pas déplacer. Ça veut dire, moun sa fait une application, et USCIS a bien pour l'annoncer application, avec frais que moun sa supposé payer, et là, elle fait application, ça y a balle un statut légal pendant 3 ans, et statut ça a venu avec forme que le pas de gain l'aide de la matérielle qui se forme I-94 là. Forme un an et fort, lorsque mon savinien, donc la vignée salte besoin pour être capable d'ajuster statut. Et pendant ça, il y a ballon statut pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ça a gagné 4 travail. Et s'il si était gagné en caisse déportation dans le tribunal, il y a permettre que les protéger par rapport à ça, ça veut dire qu'à demander puis fermer que ça même parce que justement les c'est un monde qui gagne parole et les protéger contre déportation et au bout de 3 ans ça ou bien pendant une période de 3 ans ça est capable de continuer à chercher à ajuster statut. Donc monde ça c'est monde qui marié avec citoyen américain. Programme ça a tout les bénéficiaires à petit monde qui gagne moins que 21 ans qui c'est petit monde ça qui marié avec citoyen américain. Nous connaissons que les anti-monde ont moins que 21 ans et que par anti-monde ça marie à un citoyen américain. Citoyen américain est capable à la fois de faire une pétition pour parents, qui c'est mari ou bien madame citoyen américain, hein, et puis il est capable de faire une pétition séparée pour petit monde que le mari avec l'IA, qui c'est pétition qu'on fait pour beau-fils et belle-fille. Ça veut dire, dans le programme Parole in Place, là, petit monde ça, il est capable aussi de bénéficier de lui. Il n'est même pas obligé de gagner 10 ans depuis qu'il vivre dans le pays, là, mais il faut que tu aies déjà gagné une relation beau-fils, belle-fille avec les gens qui sont américains depuis avant date 17 juin. Quand j'ai un monde vient beau-fils ou belle-fille, selon la loi immigration, pour un citoyen américain, c'est que maman ou bien papa ou t'es marié avec un citoyen américain avant ou t'es gagné l'âge 18 ans. Actualité dans le pays d'Haïti, nouveau directeur de police nationale là, Nomil Rameau, en bien rentré en fonction avec objectif pour lui améliorer les conditions policières. Yves Manuel. Autorité haïtienne en présence membre état-major police nationale d'Haïtien installé Nomil Rameau comme nouveau directeur général AI dans tête institution pendant une cérémonie qui organisée dans direction générale police nationale d'Haïtien. Nouveau directeur a remercié membre conseil présidentiel yo premier ministre et gouvernement pour confiance placée dans lui.
Conscient de dégradation situation sécurité a nommé le gamo mandé tout secteur dans vie nationale là pour porter coller dans l'idée pour capable relever défi ça. La mission de la PNH ne pourra pas être non plus efficacement accomplie sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale. Médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égale valeur pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Président conseil présidentiel là qui t'a pris la parole dans ces circonstances là estimé installation monsieur Ramon en tête PNH là c'est un nouveau souffle pour institution dans quatre batailles pour rétablir sécurité sur tout territoire national. Edgar Leblanc fils t'a profité pour bailler quelques conseils avec nouveau DGA. L'installation de nouveau directeur général Abi vise à apporter un nouveau souffle à la police nationale d'Haïti au fin d'assurer la sécurité de la population de la capitale et de certaines villes de province, contraintes par les bandits armés d'abandonner leurs maisons, leurs habitations, leurs communautés et de ramener la tranquillité dans les rues et les esprits. Monsieur le commandant-chef de la PNH, diriger, c'est faire marcher les hommes et les femmes derrière soi dans la bonne direction. Pour y arriver, vous devez utiliser la souplesse et la fermeté suivant les circonstances. Nomil Rameau fait retour dans la tête police nationale d'Haïtien 4 années après l'été jeune révocation dans la même institution. Ça, côté institution, est souqué avec une crise de sécurité qui était marquée par une rébellion dans la police nationale d'Haïtien qui était orchestrée par le groupe Fantôme 509. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Dans mes cours, correspondant à nos matières de vie, quels citoyens ont réagi sur l'installation du nouveau directeur de police nationale, là, Nomil Rameau? Citoyens qui s'allient à l'installation du nouveau directeur général de police nationale, là, Nomil Rameau, demandé pour le conseil présidentiel transition ensemble avec le gouvernement Gary Konyan, by DG Police, là, bonjour accompagnement pour résoudre le problème d'insécurité. En tant que technicien qui forme, soit qu'en Haïti à l'étranger, je suis grand pile expertise que le comité et au profit de la police nationale. Mais pendant ce temps, les politiciens n'ont pas de moyen, n'ont pas de support politique pour appliquer ça que lui-même lui connaît comme bon technicien. C'est ça que je vous dis là, comme bon technocrate, qui c'est Dr. Gary Konyan qui est sous pouvoir, nous demandons non seulement si lui-même avec CPT, le Conseil présidentiel de transition, choisit Nomil Rameau pour pacifier, pour sécuriser le pays, il faut que vous ne mettez pas en crainte politique en donne. Nomil Rameau, c'est un policier qui gagne une capacité académique, pour ne pas dire professionnalisme, donc qui vient permettre que les retourner dans la tête la police, non, ce que nous avons souhaité pour que Nomil Rameau lui-même soit capable, avec le peu qu'il soit, soit capable de montrer avec le peuple haïtien que li gagne yon capacité académique justement pour capable offrir yon service qui équitable de manière à ce que pour que population capable circuler libre et libre. On est qui directeur la police jodi a sou pa ka faire victime dans la police ou pa ka directeur la police parce que la police a 50% là-dedans qui corrompu, 50% qui pourri, 50% qui pas bon. Et je dis à me penser si Nomil Rameau ka fait ça, nous pas de problème, n'a monter à bord, mais même pas pour Nomil Rameau. Quelques citoyens et citoyennes qui n'ont pas d'accord réagissent dans le micro avec devant caméra, demandent pour gagner un mariage pour l'islamé pour permettre la vie de retourner dans le pays. Nous devons dire, selon le constat, des filles qui attendent le nouveau chef de police la papiti. Côté ces 10 commissariats et sous-commissariats, avec plusieurs prisons, bandits écrasés et puis mettez d'y fait, sans compter plusieurs milliers de prisonniers qui sont dans la rue. Nous devons dire, c'est jeudi vendredi 21 juin, enterrement 3 policiers Itag qui ont chanté. En présence, Premier ministre Langari Koni, recommandement police là, Fami ak Fredam, Femetus Emelin, Clovis Peterson, Piton Wilken Jean Junior, qui demouri en babal bandi 9 juin passé.
depuis Port-au-Prince. Moi, c'est Marcia Dovine pour vous voir créole. Commissaire gouvernement Miragouane, Jean-Ernest Muscadet, blessé mortellement Barthélemy Wilfried, alias Panagrain, chef péage Le Lambien, hier jeudi 20 juin 2024. Commissaire Muscadet renouvelé engagement pour capable couper tout bandit qui a passé ou bien vin tabli basio dans le département Nipple définitivement. Commissaire Jean-Ernest Muscadet lui-même, li pas décidé jouer ensemble avec jeune garçon pas bon ici. Population dans commune Cabaréa, deux bras balancés dans département, mesdames et messieurs, sans secours personne. La police absente dans la commune Silla, ça qui mettait autorité yon en gros difficulté. Yon quitté cabaret après attaque répétée bandit armé dans cette ville. Dans un rapport, il présenté sous activité migratoire entre Haïti et République Dominicaine pour mois mai 2024, mesdames et messieurs, groupe cap appuyé rapatrié et réfugié au gare enregistré 68 122 migrants haïtiens qui rentrent dans le pays. 19 776 migrants rapatriés sous point officiel, 7 903 migrants sous point non officiel. Sans côté, yon latrié l'autre qui rentrait en Haïti volontairement. Bagayo compliqué. Jeudi 20 juin 2024, là, c'est journée mondiale réfugié. Dans l'occasion journée ça, groupe cap appuyé rapatrié ak réfugié yo gare. Dresser un tableau catastrophique sous situation déplacée interne qui vivent dans divers camps en d'un pays, en particulier dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, à cause de violence gang armée. Sam Guillaume, responsable communication organisation Douamoun, lance un appel by autorité concernée pour capable voyager sous déplacé. Mesdames et messieurs, premier ministre Gary Conille, pas bon côté parle, annonce un retraite cap durée deux jours et qu'a commencé jeudi en la même. Eh bien, pour tout ministre, parce que lui fait comprendre, c'est vraiment très important pour ti monsieur Damio capable prendre sang yo prendre temps yo pour établir feuille de route là correctement. Par bon côté parle, gagné Jean-Tel Joseph, mesdames et messieurs, qui fait partie de Réveil Haïti qui annonçait bataille lui-même, li pas camper, li a pas continuer. C'est toute information ça va avec divers slots qui pral faire essentiel actualité nous jodi a. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le journal tout haïtien connecté. Je dis à si on plaisir. Et c'est moi-même, Fabula Jean-Charles, qui gagne pour présenter l'édition Silla. On a pris une pause, on a retourné tout de suite après. Dirigeant Réveil National pour Souveraineté pays d'Haïti, critiquer régime dans place là qui d'accord collaborer avec étrangers contre intérêt pays ya. Jean-Tel Joseph qui dénonçait certains ministres qui a installé en cachette dans gouvernement fait connait autorité si là yo malgré yo installé pas qu'à entrer dans bureau yo. Dirigeant politique dans nos Réveil National là prend engagement pour continuer bataille pour rétablir autorité l'état en dans pays ya pendant dénoncer gouvernement en place là qui veut écraser l'armée d'Haïti. Mesdames et messieurs, n'attendez Jean-Tel Joseph nan micro tak 69 bagay compliqué encore une fois si monsieur Damio pas décidé by vague. Mesdames et messieurs, Jean-Tel Joseph. Et si monsieur Dam Karikomyo continue à voyer mauvais signal. Oui, yo continue à voyer mauvais signal côté yo caché sous boudon, yo bay tête yo non président. Réveil national pour souveraineté pays. Prend acte également dans deux notes publiques que collectif 30 janvier accord Montana à travers bureau de suivi dénoncé
trafic, influence, corruption, désordre, toute couleur, cap fait, sous boudon, côté groupe moun qui va être tête, non président, caché. Ok. Réveil national pour souveraineté pays. Rendez compte que je dis, même j'en nous te dis, c'est peuple haïtien qui pour mobiliser. C'est toute force vive nation. C'est toute force vive nation qui doit mobiliser pour libérer peuple là. Si monsieur dame ça yo qui travaille pour CARICOM, nous rendons compte qu'il n'y a pas d'autre projet pour le pays. C'est cacher boudon, bail blague, manger du riz, aller dans la toilette. Sans doute, j'entends Joseph lui-même, il fait partie de ti monsieur dame CARICOM, parce que j'entends qu'on est exactement qui ça, ti monsieur dame, a réglé sous boudon. En tout cas, bagay yo compliqué, oui, Jantel. Réveil national pour souveraineté pays. Prend acte que monsieur dame sa yo y a accouché bêtise sous bêtise. C'est que réveil là, pas d'accord et demande la population pour ne pas accepter. Et pendant ce temps, Jantel Joseph, désolé, oui, si nous avons coupé Jantel. Pendant Jantel Joseph a parlé que ti monsieur Damio a accouché des ordres sous des ordres. Kounya là, c'est qui sa réveil national, lui-même Babo Kote parle, lui fait pour lui capable poser des actions concrètes pour contrecarrer des ordres, ti monsieur Dam CARICOM a fait en l'air. C'est très important, hein. Et pas seulement venir chita, parler, parler et parler tout le temps, mais c'est qui action que nous avons posé pour capable montrer que au moins nous-mêmes, nous avons le travail que nous avons fait. Nous tous au courant, la presse en particulier, que M. Dam Sayo, dans le cas de désordre, il a fait à CARICOM. Ils ont choisi de mettre de côté la constitution pays pour servir à des ordres de fait 3 avril avec l'équipe CARICOM. Qui sont comprendre? Pour des gens qui disent que c'est des responsables politiques, pour accepter à collaborer à étrangers pour hypothéquer, pourquoi pas même vendre l'indépendance pays. Et puis je dis, je pense que vous avez fait la loi. Jamais on va être capable, nous allons laisser partir nous-mêmes. Réveille là, pour un autre aussi, nous allons nous révolter contre ça et demander au peuple à révolter contre ça. La question qui se pose, est-ce que les Jantel Joseph mandent peuple là pour lui révolter? Et puis, peuple là a un nicté de sa Jantel Joseph dia, et puis lever campé pour la révolter tout bon vrai. Bon, quelque part, il a raison. Et dans la déclaration qui est pour ensemble avec le ministre de la Défense, là, et bien, le ministre de la Défense lui-même, il a une aptitude pour le capable de diriger le ministère si là. Parce que si CARICOM décide pour lui faire un gouvernement qui gagne dans figi, un gouvernement qui est capable de travailler pour bailler résultat, ministre de la Défense, mesdames et messieurs, t'a supposé un ministre qui a toute potentialité. Le fait que on ait étudié criminologie, pas vrai dit que il a une capacité pour diriger un ministère qui est plus important en de pays. Là, Jantel Joseph a raison. Ça entre dans droite ligne. Projet dominicain au gagné pour craser l'armée d'Haïti, pour craser des sables, pour le rentrer dans le pays. Tout ça, c'est ça. À partir de jeudi,
réveil national pour souveraineté pays. Nous annoncé pays. Nous sommes des centaines de milliers d'hommes et de femmes à travers le pays qui ont engagé le combat ça et n'a peine la bonne. Nous disons, les gens qui ont plein pour assassiner nous, ils sont pompés. Nous tous qui sont panel là, nous ne pouvons pas tuer des centaines de milliers de Dessalines. Nous ne pouvons pas tuer des centaines de milliers de Capo à la mort. Nous ne pouvons pas tuer des centaines de milliers de Pétions. Nous disons, nous avons libéré le pays. Mot d'ordre là, c'est mobilisation. Mobilisation. M'a fini pour me dire. M'a demandé à deux camarades spéciaux. Deux camarades politiques que nous pouvons parler avec. Il s'agit du camarade Edgar Leblanc et du camarade Fritz Jean. N'a dit yo. Plus que certains qui étaient désignés, dénoncer corruption qu'a fait côté de dit toute bêtise qu'il a commis dans le figure peuple acte campé, goumé pour mettre Ariel dehors pour mieux. N'a pas dit au nom de la morale politique, retirez le corps dans sa rue. Camarade Edgar, retirez le corps côté de parti politique ou a crasé aujourd'hui. Base côté de sorti, dénoncer corruption qu'a fait. Place ou pas là. De même tout pour vous, monsieur Fritz. Pays à papillage, nous pas qu'à faire cadeau. À partir de minutes, n'a pas de là. N'a... Et minutes. Dit pour la presse, pour pays à, pour tout le monde qui attend de nous, que deuxième semaine du mois de juillet, n'a pas lancé opération Garçon pas compté. Mesdames et messieurs, c'était Jean-Tel Joseph, responsable réveil national pour souveraineté pays d'Haïti. En tout cas, bagaille compliqué. Mobilisation annoncée pour 2 juillet qui a venu là, pas oublier. 7 juillet a marqué 3 l'année depuis assassiné président Jovenel Moïse. Nous pas gain aucun problème avec réveil national, mais encore une fois nous pensons que moment arrivé pour ti monsieur dame yo même, yo capable prendre responsabilité au tout bon vrai. Annoncer mobilisation, sous-mobilisation, pas changer quoi que ce soit dans la situation pays d'Haïti. Nous besoin, mesdames et messieurs, des actions qui concrètes, qui pour poser, pour montrer gouvernement Gary Conille, surtout que nous pas pour la paix. N'a quitté gouvernement travail, c'est vrai. N'a quitté gouvernement prend responsabilité. Mais si toutefois gouvernement lui-même, c'est tout la lito que l'a fait ensemble avec pouvoir nous, hein, eh bien, n'a exigé et n'a forcé mille pour le capable faire travail pour le faire. Mobilisation toute journée, mobilisation manche longue, par ci et par là, m'garantis nous, li pap mène nous, pièce côté. Yon noyau réflexion ak action prend naissance dans le département nord-est là, dans l'idée pour chercher créer unité ak solidarité dans mitan tout secteur ak acteur qui représente dans le conseil présidentiel là. Non, c'est ça. Jeudi 20 juin 2024, là, yon gwo rencontre réalisé entre représentants divers secteurs et acteurs politiques qui sorti dans 14 communes dans le département nord-est, là. Ancien député circonscription Carissa Valier, dans 45e législative, Anol Philidor, mesdames et messieurs, aime bien t'apporter plus de détails, mais naturellement, n'a gagné pour nous capables rejoindre Cheno Rosli, qui pral gagné pour parler nous plus de dossier si là, nous allons essayer pour nous, est-ce que nous sommes capables de rejoindre Cheno Rosli dans le nord-est, pays d'Haïti, hein, mesdames et messieurs. Nous allons essayer de rejoindre Cheno, pas compliqué, parce que, notamment,
nous pas qu'à essayer pour nous dire n'a fait révolution et puis révolution ça lui-même il pas jamais fait ou pas parce que si réveil national décide bon et nous rejoignons chez nous aussi. Bonjour chez nous, comment est comment lever matin hein? Et qui ça ou capable ba nous comme détail de dossier qui gen pour ensemble avec journée réflexion ça qui t'est faite ailleurs et sous création noyau entre représentants divers secteurs et acteurs politiques qui sorti dans 14 communes dans nord-est. C'est qui ça parole là exactement? Bonjour Fabiola, bonjour tout le monde, audite internaute, TAC 509, je suis connecté tout partout dans le SA. Bonjour, bon vendredi, bon week-end pour nous toutes. Eh bien, c'est toujours un plaisir chaque matin dans le SA pour nous capables de faire connaître comment département de s'enlever et qui ça qui est actualité. Mais en passant à dire, Fabiola, je dis en ce vendredi, nous connaissons un cadre soi-disant marché binational qui est entre Haïti avec la République dominicaine, n'a yon n'a point frontalier, n'a pas de waramet avec d'abord, eh bien, il y a une question relation commerciale ou même qui a continué bien qu'il y ait relation diplomatique, eh bien, entre Haïti avec la République dominicaine, il y a toujours maintenu par rapport à position président dominicain Luis Abinader, Rodolphe Foucault, n'a ben abdi matin, eh bien, c'est mon téléphone qui gagne, côté que vous n'avez pas grand noir, nord-est, nord-centre avec Atimonite, malgré problème, sécurité, hein, nous capables de brancher, mais d'abord, pour aller acheter produits premières nécessités, yo, dans le cadre d'un soi-disant marché binational qui vient entre Haïti avec la République dominicaine, côté que Haïti continue à renforcer l'économie dominicaine, là. Mais on a dit que pour ça, bien pour avec un canal, Fabiola, nous connaît que après gros investissement, diaspora haïtienne, avec un peuple haïtien, il y a même eu été fait faire un canal irrigation qui construit sous la rue Saint-Clan, travail va continuer en pleine Bamaribaouan, côté que paysans eux-mêmes, ils continuent à faire canal secondaire, à faire canal tertiaire. Il faut que nous disions qu'il y a un pile d'urine qui commence à produire dans pleine Bamaribaoua grâce à un travail qui fait dans le canal irrigation qui construit sous la vie en cercle. Et c'est vrai, un pile monde toujours est canal seulement résumé à tout le monde. Ce travail qui a fait dans pleine qui est important, bien que il y a un pile. Et côté tout, paysans ont attendu le canal secondaire avec tête, c'est eux-mêmes qui continuent de faire, et ça faut après parfois, c'est eux-mêmes qui prennent piqua, qui prennent pelle, qui continuent de commencer à travailler canal secondaire avec tête, pour capable de jouer de faire jardin. On a dit que le travail qui fait dans le canal irrigation sous l'Alliance Saclan permet que plein Bamaribaoua quitter les greniers agricoles vers les années 90, et bien, aujourd'hui, on prend cap figuli dans la question agriculture Foucault. Toujours dans la question canal, nous connaissons au niveau de département d'Estaing, il y a trois canals qui a construit, il y a un canal qui a construit dans Farine, dans Fort Liberté, il y a un canal qui a construit dans Malfit, toujours dans Fort Liberté, on a dit que les travaux toujours avancé et on a dit paysans eux-mêmes qui paraît à partir des week-ends là pour commencer à couler, eh bien, il y a un petit pont qui peut permettre que, eh bien, route agricole commence à faire ça, qui va permettre que les paysans qui ont mangé déjà fou et Fabiola, au jeune moyen, pour être capable de soigner pour manger. Oula, oula, chez nous, oula. Avec ma chérie. Oui, allô? Oui, oui, Naptado, Naptado. Oui, oui, à pile fois, longtemps commence à te confier, les pays ont fini quand ils mangent, ben, c'est République Dominicaine, qu'on a Louis Cheval, pour capable de transporter, eh bien, du, bien, face à, avec l'évolution qui a fait, la question, eh bien, agriculture, dans le département de saint qui ici à la terrestre, il y a, eh bien, pays ont connu à faire route à l'école Foucault. Et Fabiola, pardon, je vous ai dit tout à l'heure, on a dit que, eh bien, hier, jeudi, hein, t'es bien, au gros, en contact qui est réalisé dans Ville Fort Liberté, qui s'est chef du département de saint. Côté que, gagné plusieurs, secteur qui t'est rencontré hier, eh bien, dans le local, l'école professionnelle, Don Bosco Polytechnique, là, dans Debitech, côté, il était capable de jouer une solution dans la crise qui a traversé le pays, il y a une noire réflexion, action, point d'essence dans le département nord-est, dans l'idée pour chercher à créer unité et solidarité dans le tout secteur et acteur qui a représenté dans le conseil présidentiel là. Dans ce sens, il y a jeudi 20 mai 2024, un grand copier réalisé dans l'école infirmière de l'État, là, côté acteur de soutien 14 communes de partout au nord. Il a dit, c'est pour la première fois, et bien, ça arrive fait côté que représentants différents secteurs, acteurs politiques, et bien, nous-mêmes, nous représentants partis politiques avec une organisation de base, j'étais des chefs réunis pour capables de discuter non seulement sur le problème de partout au nord, qui est sa qui priorité, et garder tout à travers représentants grand noir gagné dans le conseil présidentiel de la Foucault, comment on capable de permettre un département nord-est, qui sont un département qui est riche en termes de potentialité, mais en termes de réalité, c'est un département qui paraît et qui est plus pauvre dans le pays d'Haïti, mais on a dit, eh bien, dans ce sens,
groupe citoyen ça qui est dans ancien député, ancien sénateur et gagné tout responsable parti politique, tout le monde présent, yo t'a discuté ensemble et n'a dit ces grandes premières qui fait, yo annoncé par trop longtemps Foucault, gagne l'autre rencontre qui pour le faire encore ensemble pour capable réfléchir et discuter sur ça qui pourrait avec question et bien avenir départ autour de sens sur plan politique. Toujours la question politique, gagne la génie qui s'est rassemblement jeune pour intégration qui s'allie installation pour le ministre Gaël Koni à gouvernement et puis il dit apprécier très dans ce conseil présidentiel là pour une transition pacifique et ordonnée et efficace qui pourrait permettre en ligne avancer dans la direction pour retenir l'ordre institutionnel. Rajeuni encourager membres CPTA qui est responsable gros projet PIA pour sécurité, mettez conseil électoral là et provisoire en branle, référendum constitutionnel et puis organiser élection libre, crédible et puis inclusif et démocratif, il m'a dit pour agir, et bien c'est l'ancien à constamment à quoi amender la disposition article 19-20 accord politique 3 avril 2024 là. En plus de ça, bien la génie fait qu'on est, il constate que et bien jeune n'a pas participé dans le gouvernement, il a fois encore, il fait qu'on est jeunesse haïtienne humiliée et bien le processus politique et administratif pays d'Haïti et Fabiola. T'as le chez nous. On dit que Rajeuni fait comprendre que jeune n'a pas participé. Bon, avant nous aller dans Rajeuni, t'as le on dit un petit peu qui est intéressant. Ou t'as le Foucault, matin, là, me sauter. Et, on dit soi-disant, marché soi-disant qui gagne entre République Dominicaine avec Haïti pour qu'il soit utilisé mon soi-disant. Bon, c'est parce que l'Union européenne est construite des marchés Fabiola, yon pour Haïti, yon pour République Dominicaine. Marché par République Dominicaine, depuis même côté le film construit, même date avec par pays d'Haïti, il a fonctionné et c'est la donne. Nous allons prendre toute humiliation qu'on est haïtien après pour aller acheter figues, concombres et bananes, choux et piments en République Dominicaine avec eux, alors que marché par nous, il était là, le fait, mais le film construit. Seulement, c'est Kabout qui a donné la donne. Autorité au fait, tant que par contre, ça patient, ça n'a pas intéressé personne, monde, alors que marché là, nous construit même là. Et sous même et presque inauguré même date et puis jusqu'à date ça fait plus passer et bien une dizaine d'années marché ça a été fermé là par les personnes qui disent rien et dernière tentative qui était faite c'est dans le mois de décembre qui s'est passé là nous j'ai gagné et bien Tibouche l'ouvri entre Haïti avec le Dominicain pour question construction canal irrigation sous la rivière Massacre et bien a dit que malgré tentative qui était faite bon côté responsable dans la mairie mais a dit par rapport à faiblesse qui gagné dans l'état par bon la caillou et bien jusqu'à date pour j'aime qu'a bon décision finale qui prend Fabiola pour que yo capable renouveler marché c'est là côté vous regardez et c'est un coup là on parle bail monde sinistré dans temps passé yo et bien Dominique a fait une prendre ligne il a bail nous coup de bâton coup de cambellène il a humilié nous malgré nous pas renforcer économie par un puis souffrir encore et bien agent douanier qui là polifond et bien police administrative après des crèmes bleu fouet Fabiola yo là tant que ça pas veut dire rien ça fait la tête ici yo alors que et n'a dit on l'autre déception pour nous encore Fabiola sous rappelons dernièrement les groupes posés qui étaient jeté bon barrière pays d'Haïti dans la rivière Massacre pour te satisfaire et bien et patron yo Haïti avec le Dominicaine jusqu'à date Fabiola et bien barrière ça pas jambe de bois qui montait tout le monde est abgadé embagé et bien autorité départementale yo délégué vice délégué directeur douane directeur immigration tout chaque jour il a mettre costume du par travail mais en pile on a pendé qui ça va le faire pendant que devant la Dominicaine pas un groupe pour prendre initiative pour capable à monter mon sous barrière c'est là c'est domaine depuis le fait on leur fait une barrière par an et puis nous-mêmes tant que sur sa vente côté c'est cabrit à bœuf capé vous l'avez tout le monde fait ça on n'est pas des personnes même qui prend en considération ça qui a fait une certaine dix son marché et qui soit disant binational parce que y ont été construit marché par nous pour permettre que concurrence en fait Haïti avec la Dominicaine et bien l'État ici fin inauguré marché par nous y ont fin fait toute bagarre là-dedans seulement y ont fin vendre place bien toute place fin vendre dans marché à Fabiola y a dit toute machine vient place dans marché mais autorité par nous pour une raison pour l'autre que nous pas qu'on est et aucun secret y a des personnes nous qui de courage pour capable dire et bien voilà mais pour qui raison y ont pas jamais mettez et bien marché c'est là en fonction côté que chaque vendredi on y a marché de fait lundi avec vendredi Fabiola, on y a 7 jours sur 7, la République Dominicaine fait marché. 7 jours sur 7, chaque jour de marché, même dimanche, pas respecté, ils continuent à promasser l'argent, mais haïtiens qui peuvent acheter cocon, chou, patate, sont vraiment déception pour nous-mêmes qu'on peut pas haïtiens, et nous que, et canal qui construit sous la guerre en sac là, sont aussi un niveau éclair, ils sont pour capable de montrer dans quel niveau nous devons prendre des phénomènes pour capable de refaire agriculture par nous, Fabiola.
Bon, normalement, après tout détail, ça y est chez nous, on va cacher du même soi-disant, on dirait que c'est son mot qui est trop pitié pour utiliser pour ça, parce que notamment, bon, c'est nous fait chou, nous fait piment douce, nous fait tout ça, qui donc, c'est l'État haïtien qui gagne pour prendre responsabilité, pour capable de gérer dossier marché si là, parce que sous 17 jours, sous 7 bagayos a fonctionné, l'argent a sorti dans le pays, donc, faut que tu, monsieur Damio, fait tout ça, qu'on est. Mais pour rajeunir rapide, vite, nous braler, qui quantité de jeunes qui t'a supposé dans le gouvernement pour rajeunir, t'es capable de satisfaire même? Bon, alors, yo même, yo tapé de ta communiste jeunesse pour fonction jeune qui te la donne, c'est ça que te souhaité. Et puis, par rapport à promesse que le premier ministre te fait, gars, qu'on par rapport à quantité jeune avec son de l'État par le gouvernement, yo, ouais, c'est nettement différent. Et il a dit, eh bien, Rajini, qui prochain raid avec aider, eh bien, même, c'est si tu peux dire ça, le plus proche dans conseil présidentiel là, eh bien, même, qui nous, c'est jeune, même, qui pas représenté, non, eh bien, par rapport à quantité ministre, qui gagne dans le gouvernement, c'est la fou et Fabiola. OK, merci chez nous, on va connaître second dernier détail ou ba nous matin là. Seulement on a fini pour nous dire que chef de département de Saint-Ville Fort Liberté et tout le monde connaît toujours belle Bailly qui t'a connu une situation difficile avec question plage barbichien a dit que et bien citoyen fois ça aussi c'est le seul côté qui demandé et bien gouvernement pour capable changer conseil communal qui là pour l'autre conseil qui prend pour que l'argent cap sur la plage n'a pas une poche des particuliers mais plus ou moins lui servir monde dans communauté à Fabiola depuis département de Saint-Ville pays d'Haïti Chenon Rosny pour taxe 509. Merci Chenon Rosny, déjà me souhaite au passer une bonne journée et surtout bon week-end frère, protégez-toi tout. Merci Fabiola, au même tout, bonne journée, bon week-end et à tout temps audité avec Internet Tax 509 pour protéger tout partout nous laisse ça. D'accord. Mesdames et messieurs, c'était Chenon Rosny depuis département nord-est pays d'Haïti et nous t'attendons exactement qui difficulté que ti monsieur Damio même y a confronté surtout sous marché d'abon bagayo compliqué oui. Donc marché a pas qu'à fonctionner parce que me rappelle dernièrement là que de ce canal là lui-même il était en vogue là me rappelle que gen gros visite qui était faite dans marché si là en parce que li t'a pral l'ouvrir premier ministre Gary Conille a pas bon côté parle annoncé deux journées retraite qui a commencé journée jodi là pour tout gouvernement puis au capable commencer réfléchir sous feuille de route là et de connaître ailleurs toute préparation t'est fin faite pour installation Normile Rameau comme nouveau DG la police nationale d'Haïti mais bien malheureusement yo renvoyé pour jodi c'est ça qui fait que nous allons descendre Port-au-Prince là pour nous parler ensemble avec Joël pour nous capable faire nous comprendre c'est qui Jean Port-au-Prince lui-même li levé matin là nous allons essayer pour nous est-ce que nous capable trouver Joël car il connaît dit monsieur faut que nous travaillons OK et bon nous jeune Joël bonjour Joël comment est matin comment levé qui soit dans Jakoutou pour nous journée aujourd'hui là. Bonjour Fabio, bonjour à tous les internautes d'Accessionnaire Fio. Donc, nous sommes pratiquement contents aujourd'hui pour que nous venions dans une période extrêmement pour nous porter toutes les informations. Aujourd'hui, c'est vendredi 21 juin 2024. Notamment, j'ai voté commencer à dire, là, nous avons commencé avec des informations qui sont plus ou moins officielles. Hier, dans la résidence privée, Premier ministre Gary Conille, débat une conférence de presse à partir de 11h30. Du matin, dans l'idée pour être capable de statuer sur plusieurs points. Et à travers la conférence de presse, M. Gary Conille, notamment, est venu avec plusieurs décisions, donc décisions qui commençaient à porter un bon petit goût en mai, donc, dans la bouche à certaines personnalités. Donc, il était gagné en présence, il était gagné avec lui, disons, directeur ULCCA, directeur de DCPJ, certains représentants dans le cours des comptes et ministre économie et financement et autres. Premier ministre Gary Conille était informé, il fait connaître que donc il était en rencontre extrêmement serrée avec ministre et personnalité ça que nous cité là dans l'idée pour capable mener une bataille contre la corruption en toute administration publique là et notamment il promet une mesure, un ensemble de mesures drastiques à partir du moment que il a parlé là pour que il capable à mettre payant sous réalité normalement. Et normalement, Madame Fabiola, c'est que une mesure, donc Livigny avec lui-même, donc c'est lui-même seulement, donc qui est pour capable signer nomination en administration publique. Là. Donc une décision qui vraiment commencé pourtant pile difficulté. D'ailleurs, il y a des partis politiques, il y a des regroupements, il y a des ministres qui vraiment
pas d'accord avec la décision ça, puisque donc on sait que tu vas faire une bonne mine de son côté, et puis lui-même personnellement va faire nos mon monde, il va faire mettre au monde dans le job ça. Donc pour le mettre au monde, il faut que c'est premier ministre là qui pousse elle, et nous connaît que qui qualité de temps, qui qualité de difficulté, donc qu'on y ait les premiers ministres notamment sien. Donc selon approche M. Gary, ça va permettre que il y ait plus gargote qui fait en dans système non, et ça va permettre que qu'on paquet faux chèque tout. Donc qui pas livré à cause de décision ça qu'il prend. Donc lui dit dans ça qui a ouais tout à question nomination yo, donc pour que mon nom lui éligible pour qu'il ait capacité réellement, donc pour que lui capable en dans des postes. Lui dit que il va commencer interdire collecte des fonds à certaines entités qui pratiquement toujours qu'on a ramassé l'argent pour une raison, pour l'autre, voler l'argent, kidnapper l'argent, courir avec l'argent. Donc, ça, justement, pour mettre l'INO en situation extrêmement difficile. Donc, M. Kony exprimait que l'argent, ça y est, donc, mon gonneur, ce qu'on a utilisé, il pour faire projet, et puis projet, il n'y a pas de projet, là. Donc, malheureusement, les campés et des ça. Notamment, nous tout profiter, penser à question assainissement dans pour moi, ça, dans période ça, qui était très important pour certains partis politiques, puisque assainissement, selon eux-mêmes, d'après apaiser situation. Donc, on nous dit, donc, Gary Kony dit, pas bien sa pièce. Donc, tout monde qui gagne un projet quelconque, donc, là, pour le collecter l'argent pour capable réaliser un projet au nom des pays, au nom de l'administration publique, donc, lui doit passer par lui-même, et justement, faut que yo bail aval yo sur ça. Donc, ça, c'est deuxième point. Donc, il était parlé sous lui. Donc, il était dit que le Pralvin avait un contrôle sans faille sur ça que nous, les distributions de carburant, également, question 4 des débits. On nous dit, gaz, c'est une bagaille qui coûte l'État un pile l'argent, parce que, dans le ministère, ou bien dans petite boîte, dans la direction Picou, Pibayo, selon information que nous avons essayé de garder hier, notre ministère qui est plus donc moi, Gazio, vini à plus de 1 500 000 goudes. Ça veut dire, on petite direction, on petit bagaille, normalement, c'est vrai. Donc, Gazio vini pour PPC 1 500 000 goudes. Pendant ce temps, l'on commence à prendre un poste de direction, qui gagne de grandes activités, ou passer dans la mairie. Normalement, donc, question Gaza, il a marché sous 10 à 15 millions de goudes. Puisque il y a de personnalité, il y a de matériel, il y a un paquet de bagages qui a fait, admettons que on dit par exemple CNE, il y a un paquet de matériel qui a utilisé gaz, qui a utilisé qui a servi avec gaz, mais tout un paquet directeur, un paquet de personnalité normalement qui toujours est petit gazio, il a fonctionné, si tout ça gagne plaisir Tibouboutio, faut faire geste donc avec Tibouboutio, offrir Tibouboutio petit gaz en plus. Donc ça mettait Mounio dans situation et monsieur Gary Kony dans situation pour dire que ça sont dérive normalement qui doit accaper. Chef gouvernement en particulier l'été profiter tout remercier OK divers cadres employés qui toujours malgré tout a risqué la vie dans l'idée pour capable faciliter donc une bonne marche, un bon fonctionnement donc dans l'administration publique là. Donc en un mot, c'est ça va galater, il y a des questions qui parlaient surtout sur question corruption. Il y a deux monde qui critiquait monsieur Gary qui dit qu'il va commencer mener une bataille sanglante contre corruption et puis il y a des personnalités qui n'ont pas agi tout comme quoi monsieur Nesni Baniga dans moment qui justement gagne des enquêtes capitaine Souli par rapport avec Jean notamment lui il sorti dans question FNUA puisque monsieur a tenu pile l'argent OK en pile moyen qui était disponible pour lui. Donc lui-même pratiquement ils sont corruption et corruption pour côté c'est incapable de répéter ce que à plusieurs confrères et a fait en échange ensemble avec nous-mêmes. Donc hier tout de suite après conférence du presse que monsieur Gary Kony était bail dans villa d'accueil effectivement. Donc journée c'est une journée d'activité puisque tout de suite après à 2h c'était supposé installation monsieur Normil Rameau dans tête à PLH là. Faut dire, donc, elle était très, très, très difficile pour l'installation de fait. Donc, contrairement avec ça, en pile, moun comprenne, c'est pas deux problèmes, deux grands problèmes de technique, combien de problèmes que t'es gay absent, t'es bon, c'est le monde qui bat là. Malheureusement, c'est un problème qui est un petit peu, SMK dit, un petit peu important et banal, puisque, monsieur Rameau, t'es dans le système, là, déjà, estimé que gagne
il y a des bon même utiliser mot de utiliser il y a des PI donc li pa bail c'est lui même personnellement Fabio qui t'a demandé donc pour renvoyer donc installation à aujourd'hui hein. Et raison qu'elle bail là sont raison qui est un petit peu banale qui fera sens mais nous profiter comme étant donné lui à peine vient travailler de manière professionnelle nous n'a pas essayé pas même essayer relater donc excuse que monsieur Ramonté Bala nécessairement il ne s'agit pas de peur la presse puisque la presse pas rien que la fait que justement prend son projeté là donc c'est question ça et grand pile sur le plan logistique l'estimer que ça va trop en forme et surtout comparativement avec ensemble des médias qui étaient là haut donc c'est ensemble de petits bagages ça haut qui la cause que tu gagnes en grande difficulté ça donc nomination monsieur installation qui prévoit pour aujourd'hui hein, et pratiquement donc entre-temps monsieur LB lui-même lui immédiatement arrêté à sortir donc il pas gain droit à signature encore donc il commencé déjà liquider des affaires courantes normalement selon information que nous gagnons lui déjà boté tout petit bracancan tout petit brandage tout petit polo président dedans donc pour le fonctionner donc lui est prêt toute la lié avec yo lui quitter espace monsieur a bien vite pour lui et selon responsable logistique PNH là photo ramouguetan et papier en dedans majorité tout espace la net donc a fonctionné nous dit li très important pour que nous informer à condio l'autre information qui est très important c'est que je vous dis hier surtout hier après installation pour aller chef il y a une rencontre extrêmement serrée entre monsieur Kony et ministre finance là et notamment et directeur banque centrale là et qui pratiquement il a réfléchi sur question dollar là comme tout ça peut-être que nous monde qui plus victime de ça c'est monde qu'en Haïti qui a bénéficié ou bien il y a des amis qui a voyé moyen pour yo ou bien monde qui gagne comme yo sous canal ou pas capable faire transaction pas capable joindre comme pour fonctionner et même les cobla sous canal donc monsieur Gary dit li pral mener une lutte extrêmement acharnée contre bagaille ça donc puisque li très difficile donc pour que on moun gè l'argent li pa ka faire ça le pitoi lui-même nous même des pas expérience personnelle que nous fait donc pour pon ti cob yo mando faut qu'on changer l'angoude et l'on changer l'angoude là c'est presque yo prend toute quantité au pitoi yo vle c'est tout yo vle là dedans donc ça c'est une rencontre que monsieur Kony te fait hier donc selon plus d'un rencontre ça capable commencer mettre monsieur à un problème donc grand pile monde qui reste quoi que li onti gens a main trop bagaille à la fois puisque il y a un pile mouvement qu'a fait mais faut me dire que li pas trop facile li pas vraiment trop facile pour gagner et pour bon selon moi pour toute bagaille ça arrive en même temps donc m'a contre quelques questions avant que n'avance et notamment ou dit que tout à l'heure c'est un dossier qui banal et important en même temps depuis matin moi n'a collé m'nan des séries de mots banal et important en même temps donc et ça qui important journée jodi là on dit que yo dim bon c'est ça yo dit puisque pas jamais gagne pièce bilan qui baille pas jamais gagne et pièce résultat et nous beaucoup temps de gon rat qui tombé dans opération donc est-ce que opération qui a mené actuellement là qui toujours rentre dans cadre et travail que gouvernement lui-même li a fait pour capable gérer dossier sécurité a ou du moins ou rete quoi que opération ça immédiatement que monsieur Ramon lui-même li prend tête la police c'est soit changer donner ou du moins si camper puisque monsieur a dit okay, alors, nous travail lui-même et pral gain plein.